aux fenêtres du quartier du bois de Dillegem, à Jette, des morceaux de tissu noir. Une action menée par les riverains. Le quartier est en deuil. Il est bien certain qu'à partir du moment où ici va passer un bus dans les deux sens, va suivre la circulation, les camions. C'est le projet de la STIB de faire passer ici rue de l'Abbaye de Dillegem le bus 13 dans les deux sens qui fâche les habitants. Or, ils subissent déjà la circulation déviée du chantier de l'avenue de l'exposition liée au tram 9. La qualité de vie des riverains en pâtit. Quand il y a du soleil, ils se mettent à la terrasse, petit déjeuner, ils disent « impossible, c'est plus possible ». Alors, quelque part, on abîme le quartier. Le parking est désormais interdit de ce côté de la rue. Malgré tout, les bus et les camions ont du mal à se croiser. Et la vitesse de ceux qui y passent seuls est souvent excessive. Depuis qu'ils ont placé des panneaux pour laisser les bus circuler, les voitures roulent beaucoup plus vite. Donc on sait que ce sera dangereux, quoi. Les riverains réclament une meilleure communication de la part de la commune. Je trouve ça dommage aussi la communication des pouvoirs publics vers les citoyens, parce qu'il n'y en a quasi pas si ce n'est pas nous qui les interpellons, donc c'est triste à l'heure actuelle. Les habitants ont été entendus par le conseil communal, on leur promet de mieux les informer, mais pour l'instant, ils se sentent un peu seuls dans leur combat.